Bonsoir tout le monde, actuellement nous sommes le 27. L'organisation est un concours de Super Haïti organisé avec l'équipe jeune artiste d'Abilité en faveur Daniel Afrien, comme nous connaissons. Et le concours, c'était Je fais le portrait de Daniel. Le concours arrivé dans la deuxième phase, des côtés que vous pouvez suivre sous Ivan Haïti. Exposition jeune artiste capable de voter chaque grain d'œuvre ou équipe bien faite ou bien qui bien présentée et pour que l'artiste la fait sous Ivan Haïti et pour ça certainement là pour faire le 31 janvier mais pas avant pour aller sous Ivan Haïti ou taper ou appeler chaque grain d'œuvre ça ou avoir un like pour encourager les jeunes artistes capable d'avancer dans le monde. Moi confinement ça y est là pour dernier temps ça y est. Allô. Oui allô. C'est voilà, dis-nous ou même et écoutez notre action l'année académique en commun. Permis sur le démonstrer. Est-ce que la première là c'est la production pour que nous dégager la exposer parce que ça c'est des ressources en panique, il faut que le marché observe la traversée. Mais au moins, la taille a vu les choses d'abord, on va améliorer la même. Même dans ces fonds, donc culturelle, nous parlons de Bachita et sur le mathématiques. Chaque mathématique, la question pose là, parce que c'est un peu de la connaissance. Hier soir, on a oublié de venir. Et M. Zakari m'a dit que parce que réellement c'était à faire, parce que vous connaissez M. Antonio a été là. C'est des photos subtiles, donc vous connaissez sa femme très plaisir. Par le ministre de Pripas, il est obligé de faire. Nous avons à faire, nous avons le contexte de ce que. Là, nous, on est le fait, ça fuit là-dedans. Ça échappe, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, nous, là-dedans. Et nous, on est plus ou moins ça cause là. Mais c'est la tête, pensez à lui, cause là, dans le contexte là, avec non difficile. Et ça, pour penser à lui, cause là, c'est penser d'abord à résoudre les problèmes sociopolitiques. Et puis après, donc, Dans le local 327, jeudi 17 janvier 2021, c'est dans 327 centre d'affaires pour que nous franchissons l'étape 2 dans le concours Petit Coave. Dans le concours, je fais le portrait physique de Dani, parce que c'est pendant l'exposition que nous avons trouvé le résultat première phase. Là. Et c'est une exposition que nous faisons surtout pour mettre lumière sur artistes qui étaient participés dans le concours et mettre plus de lumière sur l'initiative ça, qui permet de nous collecter des œuvres extraordinaires et continuer le réseautage là-dedans. Parce que je dis à la mon équipe de jeunes que je suis capable de sonner. Si je suis dans la zone Saint-Marc, je suis des jeunes que je suis capable de contacter. Si l'Artibonite, je suis des jeunes que je suis capable de contacter. Si dans le Nord, je suis des jeunes que je suis capable de contacter. Donc, concours, je viens de comprendre que ce n'est pas seulement une activité pour mettre en valeur le talent artistique. Ce n'est pas seulement une activité d'hommage à Daniel Laferrière, mais ils sont une activité de réseautage. Parce que grâce à l'exposition, ça. Nous, il veut connecter en pile, jeunes, il veut connecter et vraiment, artistes au jeune espace pour nous exposer, ça a rien comme zèvre. Et je suis sûr que artistes sont satisfaits,
moi-même moins satisfait, moins totalement satisfait de travail qui fait. Je dis, m'a remercier ensemble intervenants qui étaient dans l'activité, ça particulièrement Friedman Pierre qui était fait office de maître de cérémonie pendant toute l'activité, ça Paris Versage qui était intervenu pour nous, Catherine Muriel Saint-Timé qui lui-même était modératrice conférence, et chaque autre monde qui était venu participer pour rendre l'activité ça possible, particulièrement ensemble à Tissou. Et nous avons remercié Godson qui fait mise en scène ça pour nous, Jean-Wel Bella, c'est Godson qui fait. Donc l'autre monde qui besoin un type d'installation, type d'exposition comme ça, on capable contacter Godson sur les réseaux sociaux et comme ça ou même on capable prendre service là. Merci, merci à tout le monde qui supporte nous et pour le moment on a demandé tout le monde qui voulait, tout le monde qui est capable aider nous à final concours, parce que final concours c'est pour le 31 janvier qui va venir là et n'a bien communiquer mon plus de détails. Suivez Ivap Haïti sur Facebook, sur Instagram pour ça vous être informé de toute initiative que n'a pas. Merci, c'est un dernier mot. Bon, un dernier mot, c'est à vous remercier, parce que même lorsque je prends n'importe quelle initiative, c'est parce qu'il y a des artistes de haut niveau qui comprennent que ça a rien pour nous d'avoir fait des œuvres, ça, nous avons là, des œuvres extraordinaires, nous avons gagné un niveau de réussite comme ça. Merci à tout le monde, merci à tout le monde qui va supporter nous. Vous pouvez écrire nous sur Bienvenue, sur 31 29 58 45. Vous pouvez écrire nous sur page Facebook Ivap Haïti ou bien sur Instagram. Vous pouvez écrire nous, vous pouvez relayer nous pour que nous puissions communiquer tout ça à la valorisation du patrimoine et sur le besoin de Zachary. Ce sont des jeunes qui sont prêts pour servir la communauté, qui sont prêts pour servir le pays et pour l'autre Haïti. Là-dedans, mais qui pas jamais à l'école un jour, ils considèrent c'est le talent, ils levé depuis au tout petit, ils ont excellé là-dedans. Mais moi qui en plus l'école dans le domaine de la bienveillance, c'est vrai qu'il y a un artiste qui se trouve à faire un travail, mais qui n'a pas encadré tout jeune qui t'a bien rentré là-dedans. Je dirais qui message probablement. Pour des jeunes qui ont talent à la caillou, mais qui par exemple ont l'école qui sanctionne et capacité ou compétence ou rien dans le domaine. Le message à l'école est ici. Pas voyer les jeunes, envoyer directement l'État, c'est politique culturelle à nous faire. Parce que nous avons une différence entre nous. Donc, en fait, l'État, parce que nous avons fait des dons. Les dons, même toujours dit ça, tout don est passif de pas fonctionnement. Et maintenant, il t'a supposé pour une formation académique pour accompagner tout le monde, pour travailler plus bien. Plus bien toujours. Vous allez dire, il faut qu'on crée plus l'école d'art dans le pays. Même si l'école d'art, on va parler seulement des peintures, parce que le besoin de guetter, c'est peinture, mais.
musique, théâtre, etc. Tout le monde travaille. Donc, on a plus l'école, notre communion, notre département. Et ça, on fait pour m'appeler, on va aller avec le directeur général national, là, monsieur Rufou Bertrand, est-ce que le matin possible pour dans chaque section communale, au moins d'un bureau d'archives, pour en fait capable d'enregistrer et naissance, donc nous, parce que l'organe, c'est des questions, c'est pas de plus pour tout le monde qui fait que quelqu'un qui va jamais enregistrer. Donc, on va aller là pour le bagage, il va jamais ajouter. C'est de faire les gens partout, donc dans chaque section, donc les chargés, une bagage qui fait, c'est que tout artiste qui est dans la société, la majorité se tient dans le ghetto. Donc, si dans le ghetto, on fait des événements. Et puis, pour politique éducative, pour politique culturelle, donc on pensait au moins, donc le secteur a tourné, heureusement, donc on a bien développé, et plus longtemps, parce que quel que soit pas de qui va arriver, on va mettre dans les absences, pas de monde qui va arriver, il y a un droit. Moi, je pensais que l'État est très bon, on a continué à faire des activités comme ça. C'est un bon moyen pour permettre aux jeunes de valoriser la culture parce que le pays n'est pas vraiment offert en pile à vous dans le monde. Comme c'est la première fois moi, que j'aime participer dans le concours, donc moi j'ai regardé quel niveau que moi gagné par rapport à l'autre monde. Donc je pense que le concours là tout, il a aidé à me développer la capacité plus par rapport à chaque nom déjà. Donc je dis à vous même vous pas arrivé à passer la deuxième phase là, mais est-ce que ça a découragé dans le travail comme artiste, comme portraitiste, si vous voulez? En réalité, non, ça m'a découragé. Au contraire, moi, déjà, moi dis merci à tout le monde Carrefour qui était en prêt pour le supporter dans la deuxième partie après de voter. Moi dis que ça ne va pas me décourager parce que moi fais commencer le talent. Et moi dis merci. Bon, profitez de l'occasion, tout le monde dit monsieur Patrick Bassien, merci parce que vous êtes débutant avec moi. Dans le lycée Pétion, dans le lycée, et profitez de l'occasion, tout le monde dit monsieur Gary William qui était supervisé le travail moi, durant le concours là. Donc moi dis merci. Et moi ne va pas me décourager, moi fais commencer. Donc au contraire, concours là, il permet de découvrir un pile bagage que j'ai gagné la caille. Donc, niveau que je passe dans le concours, je ne vais pas gagner avec. C'est pas dans le concours là. Je me dis, bon, puisque je travaille si vague, donc je travaille pour ce que son concours, je travaille tout moi-même. Donc, je travaille et je passe à un niveau qui est plus ou moins. Donc, il y a des techniques que je viens gagner par rapport à la critique que je fais. Et le travail que je fais après le concours là, c'est nettement différent de ça que je fais dans le concours là. Merci. Premier membre de mise en fait partie du monde qui a honoré un grand temps pour l'année. Et puis, deuxièmement, j'ai besoin d'essayer de tester les talents, essayer de comparer avec l'autre jeune artiste qui a vu voler dans le même époque avec moi. En façon, je me disais, qui s'amuse à ajouter, qui travaille dans le même époque. En façon, je me perfectionner dans le même époque. Je dis à vous pas arriver à passer la deuxième phase concours. Alors, première phase, là, pour te tomber dans la deuxième phase, là, mais est-ce que ça a pas de courage et dans ce chemin ça oui hein.
Bon non, ça va décourager du tout. Et au contraire, et ça a motivé en plus pour le travail parce que et ça a aidé à découvrir ensemble de lacunes qui me dégagent la caméra, que je vais laisser combler, je vais laisser perfectionner plus. Ça va décourager. Ça c'est plutôt une motivation. Au contraire, si je suis qualifié avec le travail que je fais, au moins ça me fait plus mal parce que je vais prétendre que mon niveau qui doit une vie, ça dégage fait une autre transparence. Participer dans le concours, je fais le portrait physique de Dani. Pour moi-même, c'était un grand privilège. Parce que c'est un ami qui était au courant de ça, qui était fait part de lui. Parce que c'est pour la première fois que je participé dans un concours de tel sort. Alors, dans un concours comme ça, je estime que ce n'est pas seulement viser être un gagnant qui est primordial, mais immédiatement que vous participez dans honorer Dani Laferrière en tant que tel, déjà nous tous ces gagnants. C'était la première idée qui a encouragé à participer dans composant. Vous passez la première phase là ou la deuxième phase là, qui est exigence pour qualifier pour la troisième phase là? Bon, alors exigence, c'est à dire que moi, pour un premier prix, mais si ça va arriver fait, je vais toujours considérer moi un gagnant parce que déjà, moi, passé la première phase là, je me considère peut-être déjà comme un gagnant. Depuis qu'il est fait dessin? Je fais dessin depuis des années. Probablement, je ne vais pas changer d'année, mais depuis, lorsque je suis à l'école, j'ai des connaissances, j'ai des dessins en pile. Je me levais toujours à faire des dessins, reproduire des portraits. Mais je suis rentré d'emblée, surtout dans la question de portrait en 2009, dans la reproduction de portraits réalistes. Donc, est-ce que vous êtes à l'école pour ça après, ou bien ces talents, ces dons qui a développé jusqu'à ce que vous produisez le travail, ça m'a gardé les voilà. Oui, c'est dons, parce que je vais faire l'école. Pour un dernier mot, un message à des jeunes qui ont des talents, la caillou, et qui peut-être pas mettent en valeur, qui ce message vous capable de dire? Le message que je apporte aux jeunes, parce que il faut toujours faire garder qui ça vient la caillou comme talent. Parce que chaque monde nous fait avec un don la caillou. Si chercher, exploiter, mettre en valeur comme ça, et puis toujours travailler comme ça, arriver plus devant avec eux. En fait, nous participons à un concours, c'est tout d'abord pour appuyer mes amis, qui c'est M. Zakari Thermot, et ensuite pour monter sa café. Je dis à vous pas, ces premières phases-là, ou la deuxième étape-là, deuxième phase concours, ça, à qui satisfaction et qui ça exigence. Bon, pour la première phase-là, on qualifie pour les, bon là maintenant, on attend la deuxième phase-là, on voit qui j'ai ça à pied, on attend le supporter. Et sur vos messages pour supporter ou qui ça message voit capable bien. Le message aussi tant que photo a ou du moins travail là sorti sur page il va pas être là et puis on a supporter mais je suis capable. Est-ce que vous avez un mot pour organisateur d'activité ça, surtout Iva Paiti qui a lancé une telle initiative? Comment? Est-ce que vous avez un message pour Iva Paiti qui est organisateur d'activité ça? Ah ben oui, m'a dit pour toujours brancher des initiatives ça pour ne pas laisser tomber. C'est une initiative qui est très loin. Voilà, merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça, l'émission spéciale, bien entendu, sur le panel virtuel. Je demande à chaque monde continuer à suivre.
continuez à partager. Si vous pouvez abonner, invitez des amis, famille, pour capable suivre, jouer une notification. Merci. We'll be right back.